Allez, salut les amis, bienvenue pour un nouvel épisode du coup d'œil dans le rétro. Et aujourd'hui, on va s'occuper d'un jeu qui est sorti il y a mine de rien déjà plus de 7 ans. Il s'agit bien de Ray 07. Alors Ray 07, c'est un jeu qui est sorti en octobre 2007, développé par Simbeam et distribué par Atari. Feu Atari, hein, évidemment. Et donc ça fonctionne sur PC, et je pense que c'est sorti également un peu plus tard sur Mac. Alors la série Ray 07, donc de la regrettée société Simbeam, qui est devenue Sector 3 donc, et c'est pour beaucoup une référence en termes de jeu de super tourisme. Alors le super tourisme, c'est pas une discipline très très populaire malgré le WTCC et le BTCC, mais ça mérite qu'on s'y intéresse. Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est pas que le DTM et ce n'est pas que Loeb et Yvan Muller sur des Citroën qui sont dans un règlement qui leur favorise la tâche. Enfin bref, ça c'est un autre sujet, mais bon, ça c'est mon avis. Ce qui est devenu le super tourisme au niveau mondial me déçoit énormément, mais c'est un peu le cas dans tous les sports auto, donc voilà, ça c'était la parenthèse IRL. J'espère que si vous regardez cette vidéo dans 5-6 ans, ça aura bien changé et que ce ne sera pas encore mort. Alors pour revenir au jeu, Ray 07, c'est un jeu qui a une force particulière, c'est qu'il y a énormément de licences et de championnats officiels repris, et ça c'est vraiment quelque chose d'assez rare. Je vais en citer quelques-uns, donc le championnat du monde de super tourisme, le WTCC, à l'époque la Formule 3000, la Formule BMW, le trophée Mini Cooper. Donc ce sont tous des jeux, toutes des divisions pardon, qui existent réellement. Donc c'est vraiment très très agréable de revoir ça. Alors c'est licencié également au niveau des voitures, il y a énormément de marques représentées. Donc on est sur un menu qui est un petit peu froid personnellement, et on va tout de suite expliquer pourquoi. En fait, ce menu reprend un petit peu la typographie et la structure qu'avait à la télévision le championnat WTCC sur Eurosport. Donc vous reconnaissez sur la gauche des menus les petites étoiles, etc. Donc c'est très très Eurosport. D'ailleurs, dans les replays, vous avez Eurosport. Donc voilà, donc si vous n'aimez pas cette chaîne, vous allez vous la taper. Donc ça, c'est pour ce qui est de la base du jeu, c'est-à-dire Ray 07 sur laquelle je suis actuellement. Il faut savoir que ce jeu est sorti en version boîte avant d'être dispo sur Steam. Et ce jeu est sorti avec nombre d'extensions. Et la dernière en date, eh bien, c'est une mise à jour qui s'appelle Race Injection et qui reprend à peu près tout ce qui a été fait, à part quelques disciplines qui ont disparu ou qui ont été remplacées. Mais ce Race Injection est disponible également en boîte. J'en ai pas encore, personnellement je ne l'ai pas sur mes étagères, mais je l'ai sur Steam, puisqu'il y a le fameux bundle que je vous mettrai dans la description, qui reprend l'ensemble des jeux développés par Simbeam. Donc vous avez les fameux les GTR, GTR 2, GT Legend, et surtout tous les races, donc Ray 07, les extensions, les packs GTR, enfin bref, vous avez toutes les versions du jeu qui sont sorties depuis 2007. Et donc la dernière extension qui est sortie, donc Race Injection, reprend pas mal de choses, mais on oublie certaines. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut acheter les anciennes versions, bien sûr, pour tout avoir complété. Donc la première chose qui est sortie, c'est Race 07, donc qui contenait 2 années de WTCC, de la Formule 3000, des Radicals, etc., donc que j'ai actuellement à l'écran. La deuxième chose qui est sortie un petit peu plus tard, c'est GTR Evolution. Alors là, c'était l'accent mis sur le grand tourisme. Donc il y avait des concept cars comme la Seat Cupra qui a roulé mais qui est partie aussi vite qu'elle est arrivée. Et on vous offrait 49 voitures à l'époque, avec 500 variantes, donc ils appellent les variantes les livrées tout simplement. Mais surtout, on vous offrait le Nürburgring. Donc ça, c'était l'atout vente de ce GTR Evolution, et vous aviez de nouveau des voitures licenciées. Vous aviez de l'Aston Martin, de la Corvette, de la Koenigsegg, vous aviez tout cela. Donc ça, je vous ferai peut-être une extension concernant ce GTR Evolution. Et ensuite est venu Race On. Alors Race On, la grosse mise à jour, ça tenait le championnat WTCC, mais cette fois-ci ça reprenait le championnat le plus récent. Je pense que c'est le championnat 2012, si je ne dis pas de bêtises, ou bien le 2010. Maintenant j'ai un doute énorme qui m'envahit. Je suis en train de chercher sur la boîte. Oui, bah visiblement ça doit être le 2012, si je dis pas trop de bêtises. Donc là ça se présentait, vous avez entendu certainement la boîte s'ouvrir, ça se présentait avec un code Steam à l'intérieur, hein, qui est toujours disponible, et deux CD pour l'installation. Et là ça reprenait pas mal de nouveautés, notamment la Formula Master qui était un dérivé du... alors pour ceux qui se souviennent, en 2009 il y avait la Super League Formula qui était
le croisement entre le football et le sport auto, puisque vous aviez des clubs de foot qui engageaient des voitures. C'était à très tôt que vous aviez l'Olympique Lyonnais, je pense, Marseille, le FC Bâle, le Real de Madrid. Pour les Belges, il y avait le Anderlecht. Et ça s'est repris à l'intérieur, mais sous la Super League Formula. Et on avait surtout dans les extensions STCC The Game. Alors, STCC The Game, c'est tout simple, c'est l'équivalent suédois du WTCC. Avec les mêmes voitures, il n'y avait que quelques modèles qui changeaient. Donc voilà, donc ça c'est un peu toutes les évolutions qu'ont connues ce jeu. Il y en a eu pas mal et elles sont donc toutes disponibles sur Steam, donc dans un lien qui sera dans la description. Maintenant, venons-en au fait, le jeu en lui-même. Alors vous voyez que le menu, donc c'est très bleu, faut aimer. Moi personnellement, c'est pas le plus beau menu, mais j'ai toujours trouvé assez bâclé. On avait l'impression que c'était une bêta pour moi. Je préfère celui de Race Room, c'est pour vous dire, hein, même si ça vient du même studio. Alors au niveau des setups, vous avez pas mal d'options. Qui sont assez intéressantes au niveau toujours de l'immersion et du réalisme. Sachez que le jeu fonctionne en triple écran. Je vous ferai une vidéo quand j'aurai mon nouveau setup. Évidemment, il y aura plein de vidéos triple écran, hein. Vous verrez IRL qui arriveront. Mais tout ça, eh bien, il faut le temps que l'argent s'amasse, hein, et comme on dit, je ne travaille pas plus vite que le temps. Donc voilà, bah, écoutez, ça arrivera, j'espère, le plus vite possible, et j'en vous en ferai profiter avec plaisir. Alors, vous avez donc évidemment vos profils que vous pouvez gérer, vous avez vos fichiers utilisateurs, donc ça, si vous voulez ouvrir le dossier sans fouiller dans votre PC. Vous avez les options audio, alors les options visuelles, donc là, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, notamment pardon, au niveau de l'environnement, vous pouvez vraiment être très précis, nombre de voitures, etc. Ça, c'est un peu comme dans GTR, ça change pas. Alors, au niveau des effets visuels, alors là, vous pouvez régler pas mal de choses, donc au niveau de la sensibilité du volant, etc. Et j'ai repris le même menu, désolé. Au niveau des commandes, c'est ce que je voulais souhaiter. Comme menu, le voilà. Vous avez pas mal de touches. Sachez que dans ce jeu, il y a la pluie, il n'y a pas de transition jour-nuit puisqu'il n'y a pas de course nocturne en Super Tourisme. Enfin, plus depuis longtemps. Enfin, pas à ma connaissance, voilà. Et donc, vous pouvez paramétrer comme vous souhaitez les essuie-glaces, les phares, les limiteurs de vitesse, répartition de freins, répartition d'alimentation. Enfin, voilà, vous pouvez tout faire comme vous voulez. Au niveau des paramètres de jeu, donc vous pouvez régler également votre ATH, etc. Je vous montre un petit peu, donc on va retirer la flèche de sortie du stand, l'indicateur du virage et l'affichage LCD parce qu'on n'en a pas besoin. Enfin, du moins, moi je n'en ai pas besoin. Alors vous avez différents modes de jeu, vous avez classement mondial, donc ça fait des chronos pour vous classer mondialement. Sachez que les serveurs sont toujours disponibles, mais il faut établir une connexion, voilà. Donc pour ma part, ça n'est pas le cas. Il y a toujours, je pense, les serveurs disponibles. Le multijoueur, donc vous cherchez soit en LAN, soit des sessions disponibles en ligne. Autre épreuve, donc là voilà, de l'entraînement, hein, du tour par tour, de l'essai. Championnat, alors ce qui est très intéressant avec le championnat, c'est que vous avez les championnats des licences, donc le championnat 2010 par exemple de WTCC, mais vous pouvez aussi personnaliser. Donc dans ce cas-là, vous faites un nouveau championnat, vous l'appelez. On va l'appeler Max, comme ça ce sera très vite fait. Et voilà, donc on vous explique comment faire votre championnat et vous pouvez. Hop, vous sélectionnez les pistes que vous souhaitez. Voilà, et vous faites votre championnat. Et quand votre championnat est fait, vous continuez, vous sélectionnez la division et vous lancez votre championnat sur les pistes. Sachez que le jeu est extrêmement modable, donc vous pouvez ajouter skin, championnat et circuit sans problème. Il y aura peut-être un tutoriel pour vous expliquer comment tout cela fonctionne. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, un petit tutoriel sur ce Race 07, sur tous les modes qu'il faut installer absolument. En profiter. Événements et arcade extrême, c'est pas très intéressant en fait, ça vous prend simplement le championnat WTCC extrême qui est un championnat fictif avec comme base les modèles, je vais vous montrer un petit peu, voilà, les modèles du WTCC de l'époque mais en version surboostée, un peu plus DTMisante on va dire, un peu plus agréable au regard, plus agressive. Mais ça, c'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est un événement. Alors, vous voyez que là, je n'ai pas modé le jeu. Hein. Donc, sachez que tout ce que vous voyez, c'est tout ce que vous aurez si vous achetez le jeu. Il n'y a pas d'extension installée. Donc, vous avez les circuits en configuration selon le championnat représenté. 2010 pour le WTCC, 2007 pour le WTCC et 2006 pour le WTCC. Ensuite, vous avez GTR Evo. Ça vient dans l'extension GTR Evolution que vous avez. Ça vous ajoute simplement la Nordschleife et la version du Nürburgring. Le Hill Climb, donc ça c'est une version de course de côte. Le championnat STCC 2010, donc vous avez tous les circuits suédois qui sont repris. On va pas y aller parce que bon voilà, on va éviter, je ne connais pas beaucoup ces circuits suédois. Et vous avez, une fois de plus, ils sont très généreux avec nous, en plus des circuits classiques, et eh bien ils nous mettent plein de déclinaisons des autres circuits
présents dans le jeu, mais aussi des circuits qui sont licenciés WTCC mais qui ne sont plus utilisés. Je pense à Estoril qui est présent, Imola, et c'est à peu près tout, voilà. Donc vous voyez qu'on peut vraiment faire un championnat, vous pouvez vous faire super plaisir, quoi. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Donc je vais vous prendre un circuit assez récent. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, un circuit que je vous montre pas régulièrement, mais qui est assez intéressant. Allez, Marrakech, c'est pas du tout intéressant, mais c'est un circuit assez rare dans les jeux vidéo, donc on va en profiter pour vous le montrer. Arrivons au point critique, c'est-à-dire le choix de la catégorie. Alors comme ça, vous allez vous sentir peut-être un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de choses à l'écran. Vous allez voir qu'on peut vite faire un tri de ce qui est bon et ce qui est pas bon. Alors, je vais pas tout vous présenter, mais je vais vous présenter les principales. Alors, sachez que vous avez donc les saisons de WTCC qui sont tout à fait complètes, donc 2007 en bas à gauche, 2006, 2010. Vous avez WTCC 87. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça reprend des voitures qui couraient à l'époque dans le championnat qui existait encore, WTCC. Je ne sais pas s'il était déjà devenu championnat d'Europe. Donc, vous avez de l'Alpha 75, vous avez de la M3 et vous avez de la Volvo 240. WTCC Extreme, c'est ce que je viens de vous présenter. Un trophée mini, qui est le trophée mini de l'époque, hein, donc voilà, licencié, c'est exactement comme à l'époque. La Formule 3000 qui fait un bruit absolument monumental. Je vais essayer de vous faire une vidéo, une course juste après, puisqu'on va rester un petit peu ensemble. Là, la vidéo sera un petit peu longue, vous l'aurez certainement vu, puisque c'est le principe du coup d'œil dans le rétro, c'est qu'on se replonge un petit peu dans tout ce que contenait un jeu sorti il y a maintenant quelques années. La Formule BMW, très bien si vous voulez apprendre à doser de la monoplace sans forcément partir en tête à queue à chaque virage. Cette formule sera excellente pour vous débuter. Ensuite, ici vous avez CSR, alors CSR c'est Caterham. Vous avez simplement des Caterham qui n'ont comme seule différence que la puissance de leur moteur, sinon c'est chaque fois le même modèle. Ensuite, vous avez SR3, SR4, tous ces menus-là, eh bien ce sont des radicales, SR3 et SR4, avec chaque fois une puissance différente, donc les deux modèles sont présents. Ensuite, vous avez l'extension qui la concerne GTR Evolution. Donc ça, vous ne l'avez pas dans RE07 uniquement. Pour ça, il faut acheter GTR Evolution. Donc là, je vous présente ce qui est dans le bundle Steam, hein, comme ça vous voyez. Et vous avez des voitures telles que la Lister Storm, que personnellement j'aime toujours autant, avec son moteur Jaguar, mais qui ici est présenté avec d'autres modèles bien plus récents, mais qui se défend tout à fait. Au niveau de l'étalonnage de la difficulté, vous voyez que je vais vous montrer, mais c'est assez correct. Ensuite, vous avez du GT Sport, c'est pareil, un championnat de GT, mais avec des voitures l'équivalent du GT3 et du GT2. Donc vous avez de la M3, et ensuite, voilà, vous avez différents modèles. Vous avez une Marcos, qui est quand même assez originale comme voiture, qui est plus trop représentée, mais voilà. Marcos, et vous avez également une Sunred. Alors Sunred, faut en trouver. Ça a pas mal roulé en championnat GT Open en Angleterre, mais voilà, tout ça est bien évidemment fictif. Vous l'aurez compris, pas les modèles mais bien sûr les livrets. Et voilà, encore une autre division de GT, mais cette fois-ci on passe plus dans les petites divisions, avec même Thierry Boutsen qui est là, donc voilà, il y a même des pilotes officiels qui ont leur nom. Ensuite vous avez Dodge Viper, Gumpert, Apollo, Koenigsegg, Audi R8, Pagani. Tout cela ce sont des voitures version route que vous pouvez essayer, donc version Audi R8 par exemple. Voilà, donc c'est la version route des voitures si vous voulez faire un petit essai en piste. 850 et S40, ce sont les anciennes Volvo de Super Tourisme qui étaient dans l'extension Volvo The Game, et c'est inclus directement dans le jeu. Donc ça, c'est plutôt gentil de la part de Simbin, qui nous font pas mal de cadeaux, notamment ce break. Alors ce break, je vous invite à aller chercher sur internet BTCC 1995, et vous allez découvrir ces voitures qui ont roulé en Angleterre. Je ne sais pas si elles ont gagné, je ne sais plus. Tim Harvey roulait avec ça, et Kelvin Burt, si je ne dis pas de bêtises, et Rickard Rydell. Allez fouiller, vous trouverez. Le championnat, alors là c'est quoi? J'ai cliqué sans faire attention, c'est bien. Voilà, STCC The Game. Donc là vous avez le championnat suédois de Super Tourisme, avec eh bien, pas mal de modèles qui sont bien plus variés que ce qu'on a du côté du WTCC, qui, il faut l'avouer, est pas très varié. Même si là ça allait encore, et vous avez eh bien les voitures qui ont roulé en championnat de Suède, même des plus anciennes comme les Alfa Romeo, qui sont vraiment excellentes. Alors Formula Race Room, alors ça, certains vont dire mais Race Room c'est le nouveau jeu de Simbin. Et bien en fait, Race Room, la Formule Race Room, c'était un projet à part entière qu'avait lancé Simbin il y a quelques années, et qui était une genre de GP2, Lotus 128, enfin c'était un petit mélange, une petite formule de monoplace, qui à l'époque a eu son petit succès sur les sessions en ligne, mais qui s'est très vite essoufflé, et bien manque de publicité, manque de joueurs. Alors ici vous avez deux générations de Camaro, c'est toujours sympa. Les anciennes Camaro sont particulièrement belles, les bruits sont toujours aussi bons. Ensuite le Retromax, alors ça c'est un petit peu spécial, ce sont des voitures de
De course de côte, plutôt, même si ça va très bien sur une piste, mais à la base c'est pour les courses de côte. Vous avez rétro cool, vous avez même des modèles qui sont un petit peu plus lents, on va dire, mais qui sont toujours aussi mignon mignon tout plein. Voilà, vous avez de quoi faire dans ce jeu. Allez, j'ai raconté assez de bêtises, maintenant on va se lancer en piste et on va faire une manche de WTCC puisque c'est le championnat phare de ce jeu. Allez, on va prendre une Chevrolet Lacetti. Vous voyez qu'il y a les anciens modèles indépendants. Hein. Vraiment, le championnat est complet, complet. Allez, un petit hommage à Yvan Muller. Fraîchement pilote Citroën. Voilà, donc vous avez ici les difficultés donc de pilotage. Donc sachez que moi j'ai mis les aides, hein, je m'en cache pas, puisque voilà, il faut bien que j'arrive à vous parler et à tenir des propos cohérents sans non plus faire trop de bêtises en piste. Et on va laisser 3 tours, comme ça nous laissera le temps de voir plusieurs courses. J'en vous ferai 2-3 courses dans cette vidéo. Et je vais parler un petit peu du jeu. Donc les règles sont là et on va partir 10e en départ arrêté. C'est parti sur ce circuit de Marrakech. Alors Marrakech, ouais, je suis pas trop fan du circuit, mais il est assez technique dans ses freinages. Et il faut savoir s'en sortir. Sachez que vous pouvez jouer palette et boîte, même si ces voitures de WTCC maintenant sont à boîte, je dis pas de bêtises, ce sont toujours des modèles à boîte. Il y a certains modèles qui utilisent des palettes, notamment les GT. Mais on va voir ça tout de suite puisque l'initialisation est terminée. Donc nous voilà dans le menu. Donc on peut configurer notre voiture. Bien sûr, vous avez donc autant d'écrans de setup que Simbin nous a habitués dans ses jeux. Donc là, on peut vraiment se faire plaisir. On va pas trop trop toucher personnellement puisque voilà, je suis pas là non plus pour vous faire un cours de setup et je ne suis de toute façon pas très bon. Réglage du menu des stands. Où vous pouvez pré-régler votre course. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sachez que le jeu ne comporte pas de safety car. Enfin, il y a la safety car, mais personnellement, je la vois jamais sortir. Donc, je sais pas si le setup est correctement fait, mais en tout cas, pour ma part, eh bien, il n'y a pas de safety car en piste régulièrement. Au niveau de l'étalonnage des performances, vous voyez que c'est un peu le bazar, puisque vous avez des BMW indépendantes qui sont assez hautes, notamment Christian Poulsen, qui est très bien placé. Et Dieu merci, ils n'ont pas étalonné le championnat. C'est pas un défaut, ça pourrait l'être, mais dans ce cas-ci, c'est bien, puisque ça permet aux différents modèles de se défendre et vous n'avez pas les trois Chevrolet qui partent en tête et les Seat derrière qui tentent de tenir eh bien, le rythme. Voilà, donc vous voyez 25 voitures en piste, il n'y a pas de doublon, on ne peut pas mettre plus de voitures en piste, à moins que la piste puisse en accueillir plus, mais tous les circuits de base dans le jeu eh bien, peuvent accepter un nombre de voitures limité à 25. On va terminer tout doucement cette grille. On voit qu'on part assez loin. Je pense même qu'on part, part très loin. J'ai pas fait attention. Voilà. Donc on est à l'intérieur. Alors je vais remettre l'ATH pour vous. Et on est parti. Donc vous voyez qu'au niveau de la fluidité, je suis en 60 images, hein, de toute façon. La vidéo va mettre du temps à se mettre en 60 images. Je sais pas pourquoi à chaque fois ça me fait ça quand je fais du rendu. On va voir comment tout cela se passe. Allez, on est avec une voiture qui est capable de se défendre. On va faire attention, parce que c'est un circuit en ville, je le rappelle, Marrakech. Alors, vous venez d'entendre le spotter qui vient de nous indiquer qu'il y avait drapeau jaune dans le premier secteur. Alors que là, on est à 3 de fond avec Colin Turkington. Ça va être très serré, je pense. Et on est passé. Oh, on n'était pas passé tant que ça puisqu'on a touché à l'in-menu. Et on est derrière maintenant Christian Poulsen et Farfus qui s'explique de manière assez agressive. Alors, on va parler du jeu. Alors, vous voyez que visuellement c'est assez joli pour un jeu d'époque. Personnellement, moi j'ai toujours apprécié. Alors, visiblement, je suis en boîte automatique. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je suis en boîte automatique. C'est bizarre ça. Bah écoute, on va rester en boîte automatique. Je vais régler tout ça pour la prochaine course. Donc je disais oui, c'est assez beau visuellement. Bon, il y a un petit peu d'aliasing évidemment, évidemment jeu de l'époque, hein, il faut bien. Mais ça reste tout à fait correct. C'est très stable, il n'y a jamais de gros soucis au niveau de la stabilité du jeu. Vous n'avez jamais eu de retour bureau, même modé jusqu'à la moelle, ce jeu restera stable. C'est ça qui est très agréable. Pas trop de bugs d'affichage, pas trop de clipping. Évidemment, si vous avez des PC d'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir du mal de faire tourner ce jeu. Sachez qu'ici, il tourne en ultra. Même si c'est un petit peu trop, même pour mon PC qui est assez correct, hein, je vous invite à aller voir ma description à propos pour voir comment mon PC s'en sort au niveau du setup.
Alors, on va se faire reprendre par Farfus ou pas dans la ligne droite. C'est tendu. Donc là, c'est vraiment en mode noob. Hein. Vraiment, je roule avec les Z et l'ATH. Alors, le seul défaut, c'est que je n'ai pas d'affichage au niveau de mon tableau de bord. Mais je corrigerai tout ça pour la course suivante. Je vous montre un petit peu surtout le circuit. Donc vous voyez que on a assez facile de se défendre face à l'IA qui est à 92%. Sachez que si vous montez à 100%, vous allez déjà avoir beaucoup plus de mal sans régler votre voiture de tenir le coup. Vous voyez la petite tache sur le pare-brise. Eh bien, pas de problème. On va essayer de nettoyer tout ça. Je ne sais pas où j'ai mis mes essuie-glaces. Voilà, donc vous pouvez faire fonctionner vos essuie-glaces, vos phares. Au niveau des vues, vous avez des vues qui sont tout à fait jouables. Sachez qu'il y aura peut-être un épisode d'onboard qui se disputera dans ce jeu. Alors, j'ai été averti pour avoir coupé la piste. Oui, j'étais hors trajectoire, mais couper la piste, je ne pense pas, parce qu'avec les pneus, ça semble difficile d'aller couper cette piste de Marrakech. Donc, vous voyez qu'au niveau des vues, on a l'embarras du choix. Vous voyez que c'est très joli. On va rester en caméra embarquée un petit peu. Alors au niveau du son, c'est aussi très agréable. Franchement, ce jeu n'a pas énormément de défauts, si ce n'est eh bien son âge. Et on aimerait bien que Racecon Racing Experience devienne le nouveau Race 07. C'est dommage. Mais c'est vrai qu'un jeu qui reprend du super tourisme, bon, ça devient assez rare, quoique sur PC, il y en a encore quelques-uns. Je pense à Grid Autosport qui a repris son chemin vers le super tourisme, qui était vraiment la discipline phare du premier Race Driver Grid. Mais c'est vrai que c'est vraiment jouissif de reprendre ces courses qui ont été assez disputées quand même à l'époque. Je suis personnellement très fan des premières années du WTCC, 2005-2006 et 2007, avec les Alfa Romeo et Augusto Farfus qui était pilote Alfa à l'époque, il n'a pas toujours été pilote BMW, et qui nous faisait des courses. Mais alors, j'avais été voir en 2004 le championnat d'Europe à Francorchamps, j'étais très très jeune, mais je m'en souviens encore 10 ans après. Parce que eh bien, c'était des vraies courses de super tourisme comme on faisait à l'époque en Angleterre et encore chez nous. Et c'est vrai que ça manque vraiment ce côté danger, contact, vengeance, coup pour coup, qu'on n'a plus puisque maintenant les pilotes de super tourisme aujourd'hui sont disciplinés comme des petits pilotes de F1. Et c'est un peu dommage. Il faut arrêter de me dire que je coupe la piste alors que vous le voyez, je n'ai absolument pas coupé le circuit. Mais bon voilà, on va terminer tout doucement cette course, on est 6ème. Au niveau de l'IA, donc vous voyez que ça tient bien. L'IA tient bien la route, honnêtement, même des modes. L'IA est tout à fait correcte, elle se défend très bien. Elle n'est pas trop sur sa ligne, même si sur un circuit comme Marrakech, vous verrez bien que tout le monde est sur une ligne parce qu'il n'y a qu'une trajectoire. Mais bon, je dis pas que ce n'est pas le cas à Macao, par exemple, les circuits urbains. Mais c'est vrai qu'on a des sensations de bagarre, de défense, de croisement, de protection un peu de la trajectoire intérieure. Donc l'IA vraiment fait le boulot. Et ça c'est vraiment très agréable. Il y a des jeux aujourd'hui qui ne font pas ce que fait Race 07, même si c'est pas le meilleur hein, dans ce terme là, je vais arrêter de faire des éloges de ce jeu, mais ça reste quand même une très très bonne base. Allez, on va terminer ce dernier tour, ce dernier virage à gauche, et on va régler quelques setups d'affichage etc. Pour vous. Et voilà. Clic. Alors le spotter, je disais, est pas très chiant, honnêtement, il est assez intéressant, il vous indique surtout quand il y a des drapeaux jaunes, ça c'est sûr, mais il vous harcèle pas, quoi. Vous n'avez pas le tour par tour, etc. Il est vraiment intéressant quand il parle, tendez l'oreille, c'est toujours une bonne information, et l'information donnée est toujours correcte. Vous voyez qu'au niveau de la TH, il y a énormément d'options, donc vous pouvez tout retirer. On ne peut pas mettre le logo Eurosport, c'est dommage, j'aurais bien aimé personnellement. Et moi généralement je roule sans rien, c'est-à-dire que je roule uniquement avec ceci et la vue embarquée, puisque on peut régler les rétros, la TH, et normalement je dois avoir quelque part l'affichage. Non, tant pis, je peux régler le plan du circuit, oui. Ça vous pouvez choisir si vous avez un plan de circuit fixe ou pas, ou si vous voulez le retirer. Voilà, vous pouvez l'avoir fixe ou pas, ou retirer. Voilà, donc on va terminer un petit peu cette course quand même, parce que bon, on va pas rester 2 heures. Donc voilà, donc vous avez aussi également le chronométrage qui est là. Donc vous avez toutes les informations nécessaires pour vous y retrouver. Donc voilà, ça c'est vraiment le championnat de base
de ce RayZero 7. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? On va aller voir un petit peu du côté des autres circuits. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit peu de course de côte, tiens. Voilà, avec d'anciennes voitures. Alors, très important aussi, une chose qui est bien, c'est le filtre voiture. Alors, vous pouvez faire un filtre. Donc, on va créer un filtre. Voilà. Et vous pouvez ajouter ce que vous souhaitez. Donc, nous, on va retirer tout ce qui existe. Et on va laisser que ce qui est course de côte. Et je vous retrouve quand j'ai terminé. Une fois terminé, ça vous permet donc de choisir la division que vous voulez activer. Donc dans ce cas-ci, pardon, je n'ai utilisé que les courses de rétro. On va voir ce qu'on a. On a de la 3 litres CSL, c'est plutôt sympa. On va aller voir une petite sympa. Allez, on va prendre une Mini Cooper. Voilà, une bonne vieille Mini. Voilà, et on va faire du fantôme. Alors là, l'avantage du fantôme, en fait, c'est que vous pouvez choisir si l'adversaire est en fantôme ou pas. Donc c'est plutôt intéressant de savoir si vous devez doubler dans votre course de côte ou si c'est simplement le chrono qui importe. Alors sachez que je n'ai plus fait cette course de côte depuis longtemps. Donc il se peut qu'il y ait du dégât. On va voir un peu comment ça se passe, hein, tout ça. Donc voilà, je vous montre un autre aspect de ce jeu qui est assez varié, ça c'est sûr, ça manque pas de variété. Voilà, on est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, course, démarrer course. Ah, voilà, je démarre dans 24 secondes. Ah, ben voilà, on va attendre. Vous voyez que devant, ça part, hein. Voilà, devant, on a un départ toutes les 10 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Toutes les secondes, c'est bizarre. Et donc, nous, on part assez loin. Ça y est, c'est notre tour. On est parti! Donc vous voyez que là mes adversaires sont en fantôme. Donc voilà, vous pouvez faire de la course de côte sans problème. Alors la Mini est plutôt jolie. On repasse en première. Vous avez toujours le choix de la caméra, la vue embarquée, la vue capot et la vue poursuite. Pareil, les jeux qui proposent des courses de côte, il n'y en a pas tant que ça. Alors il y a forcément Race Room, puisque c'est la suite logique de ce jeu. Mais de mémoire, je ne pense qu'à Dirt, Colin McRae Dirt, qui nous avait repris l'entièreté de Pikes Peak. Alors Colin McRae Dirt reste un de mes préférés du côté des Dirt. Le deuxième, j'ai pas trop aimé. Le quatrième, j'aimerais bien qu'il sorte, je vous l'avoue. Mais on verra ça bientôt. Pas mal de jeux de rallye qui vont sortir, hein, dans les mois à venir, il y aura WRC5 qui est annoncé et il y a Sébastien Loeb Evolution. Alors, je ne sais pas, tous deux développés par Milestone, donc je pense que ce sera très très proche dans la conception et dans l'architecture. On verra ce que ça donne quand ce sera sorti. Mais bon, Milestone, on s'attend généralement à du pas très beau, hein, il faut être honnête. Même si ce. Oh oui! Ah ben voilà, suffisait de le dire. Alors, au niveau des dégâts, maintenant que j'en parle, hein, je vais m'en sortir comme ça. Au niveau des dégâts, vous voyez que. On est pas mal. Donc là, je les ai encore modérés, mais vous pouvez avoir des dégâts qui sont très importants et qui ont des impacts ou non sur la mécanique. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal au niveau du chrono, hein. Devant, on est assez serré aussi. Avec, il y a de la Corvette, il y a de la BM, il y a vraiment un choix de voitures assez impressionnant. Donc franchement, si vous trouvez ce jeu en boîte, eh bien, prenez-le. Et si vous voulez, eh bien, vous le payez, bah, payez-vous. Payez-vous ce jeu sur Steam, tout simplement, sans sortir de chez vous. Ce serait dommage de passer à côté de ça tant que c'est disponible. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un jeu qui est très varié et qui est modable surtout. Vous avez des mods qui sont vraiment excellents. Alors on va en venir au modding puisque c'est un peu un sujet important sur la chaîne. Personnellement, je suis très fan des mods qui reprennent d'anciens championnats de Super Tourisme, notamment les vieux championnats de BTCC, de STW. Personnellement, vous pouvez faire de 96 à, enfin de 96 pardon, à 99. Au niveau des championnats STW, donc qui est un championnat allemand,
Et voilà quoi, c'est vraiment génial. Vous avez près de 40-50 voitures en piste, vous avez les pistes qui sont disponibles, vous pouvez vraiment vous faire des reconstitutions de championnats qui ont plus de 20 ans pour certains sans problème. Pas trop de monoplace, il y a des modes F1 qui traînent, je pense qu'il y a un mode F1 2007 et 88. Je suis pas trop fan, c'est pas la meilleure plateforme pour modder de la F1. C'est pas très agréable, je vous le déconseille. Honnêtement, je vous dis, si vous voulez vous modder de la F1, allez voir un R Factor ou éventuellement un GTR 2, mais surtout pas ce Race 07. Ce serait vous gâcher du plaisir parce que le jeu n'est pas fait pour ça. Même si les monoplaces sont correctes, mais c'est pas l'atout du jeu. On termine notre course de côte et on a fait 7ème avec un petit bump contre le rail, donc ça voilà, c'est pas trop la honte, dirons-nous. Donc vous avez vraiment un choix incroyable en termes de mode, et c'est vrai que vous avez même les modes GTR 2 qui reprennent eh bien GTR 2. J'en parlais dans le coup d'œil dans le rétro dédié à GTR 2, et ça vous permet eh bien de rouler avec ces voitures enfin sous la pluie. Alors la pluie, je vous en parle depuis longtemps, mais je vais vous la montrer, cette pluie. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire, j'ai envie de vous faire un petit circuit sympa. Qu'est-ce qu'on va faire? Je regarde un petit peu ce qu'on a. Oui, je sais. Vous voulez Macao? Allez, on va faire Macao. Comme ça, c'est réglé. On va retirer le filtre voiture. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Macao, faut savoir que c'est un circuit assez bordélique. Et je pense que de la formule BMW sera très bien pour montrer Macao. On va faire 2 tours. 24, et on va mettre est-ce qu'on va mettre de la pluie? On va mettre de la pluie et on va baisser un peu l'IA histoire de ne pas trop s'embourber. Vous allez voir que la pluie est assez bien faite dans ce jeu. Alors sachez que vous avez les essuie-glaces pour les modèles couverts, mais pour les monoplaces vous avez les tear-off, donc vous pouvez retirer au fur et à mesure de la course vos prévisières, puisqu'elles vont se salir avec eh bien, des éclats, etc. Vous avez des éclats dans les pare-brises aussi. Des moustiques qui viennent mourir sur votre visière, donc ça c'est plutôt bien fait. Au niveau de l'ambiance, c'est pas le plus réussi, franchement. On a un peu l'impression de tourner seul sur un circuit avec des pancartes dans les tribunes, vous le voyez sur la gauche, c'est pas la folie. Et je pense que j'ai fait une bêtise, et je vais régler ça tout de suite. C'est que je vais mettre des pneus pluie, chers amis, sinon ça risque de rendre la tâche compliquée. Non, bah, les pneus pluie sont déjà montés, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est assez agréable, on a de l'aileron, bah ça va. En fait, on avait tout ce qu'il fallait, c'était très bien. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais retirer la boîte automatique. Voilà. Ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Vous pouvez également régler votre siège, donc vous avez soit de position réaliste ou irréaliste. Donc, on va passer tout cela. Voilà, et vous voyez. Alors, on va. On va partir. Alors ça va. Alors Macao, forcément, c'est un des circuits les plus durs et les plus dangereux au monde, évidemment. Donc moi, je suis assez fan de ce tracé. Peut-être pas dans ce genre de voiture parce que c'est pas le plus représentatif de la difficulté. Je trouve que ça manque dans des vrais jeux de moto, ce circuit. Franchement, à moto, ça doit être extrêmement impressionnant à faire. Alors, je sais qu'il y a le Ride qui sort bientôt, un jeu 100% moto de route, un peu à l'image de ce qu'avait fait Tourist Trophy à l'époque avec Polyphony Digital. Et j'ai hâte de voir ce que cela va donner. Allez, on n'a pas trop glissé. Alors, vous voyez, comme d'habitude, eh bien, il y en a qui vont s'amuser à aller goûter les pneus. Nous, on est très 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 prudent, et on va essayer. Je vais vous montrer, essayer de retirer un tear-off. Hop, voilà. Donc j'ai retiré un film de prévisière, et le rendu est plutôt excellent. Alors évidemment pas de phare, hein, sur ces voitures, mais les phares sont là, tout est présent. Et le comportement, alors le feeling de ces monoplaces est vraiment différent des voitures de Super Tourisme. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'a bien réalisé Simbin. Bon, évidemment, hein, si eux ne le font pas bien, qui le fera bien? Mais c'est vrai que. Ouh, ça glisse beaucoup par contre. Alors les dégâts sont toujours activés, donc ça va être très difficile de s'en sortir dans ce circuit de Macao sans bouchonner mes petits camarades derrière. Ça va, ça passe plutôt pas mal. Ça passe plutôt pas mal. Ouh, c'était pas loin là.
Ouais, donc savoir que Macao c'est vraiment une référence hein, pour les fans de sport auto. C'est le Ma Monaco asiatique, mais je trouve que Monaco à côté c'est une balade de santé. Parce que le circuit est vallonné, compliqué, il y a des freinages en appui, ça va mieux. Ouais. Mais c'est la météo aussi, il fait pourri en Belgique. Hein. Forcément la pluie. Ouais, un peu de survirage ici. Dites-vous que je roule avec les assistances. Hein. Donc même avec les assistances, c'est très très glissant, ce qui explique pourquoi. Eh bien, j'ai préféré les activer pour cette vidéo. La fameuse épingle très connue. Alors l'IA ici a tendance à pas mal freiner, elle est très prudente, ce qui vous permet eh bien de recoller lorsque celle-ci prend un peu d'avance sur le reste de la piste. Et c'est assez agréable de dire, allez, nous on va prendre des risques à cette chicane. Bon, vous allez régulièrement percuter les rails, hein, vous faites pas d'illusions. De toute façon, un tour de Macao sans toucher les rails, c'est très compliqué. Et au niveau du classement, voilà, on est 8e, c'est tout à fait honorable et au vu de mon niveau. Alors au niveau des caméras, c'est vrai qu'on n'a pas de réelle caméra on board, hein, vous n'avez pas de caméra d'origine en tout cas, de caméra arceau. Vous avez ceci qui est un équivalent, qui est assez sympa, ça ressemble un peu à ce qu'on a sur les monoplaces de chez de l'école Skip Barber dans iRacing et Air Factor 2. Si pas, vous avez classique, et eh bien la vue poursuite, mais la vue la plus immersive reste quand même la vue casque dans le casque, hein, vraiment. Ça, c'était vraiment pour l'époque excellent. Alors, est-ce qu'on va passer la courbe du mandarin pied à fond? Non, ça aurait été étonnant. Et donc, ce RE07, est-ce que je vous le conseille? Oui, tout à fait, évidemment. Si vous tombez sur ce jeu, allez-y. C'est vraiment un must-have PC. Alors, devant, on a une magnifique mayonnaise. On va passer ça tout doucement, on va gagner quelques places. Donc quand je vous disais que l'IA était bonne, elle est bonne en général. Bon, il arrive qu'il y ait des petits soucis. Mais bon, ce virage-là est tellement particulier pour une IA que voilà, ça se resserre, etc. C'est un peu compliqué de gérer, mais on va dire à 99% du temps, 99% du temps, ça se passe bien. Vous voyez sur ma visière, sur la droite, une petite tache de moustique. On va retirer ça tout de suite. Voilà, hop, et ma visière est tout à fait propre. Alors vous avez un nombre limité de visières, ça c'est cool aussi. Au niveau des arrêts au stand, vous avez un menu évidemment qui vous permet de choisir vos arrêts au stand. Et c'est pas le plus ergonomique qui existe. On va se parler franchement, ce n'est pas le mieux réalisé de l'histoire des jeux de bagnole. Rien ne battra pour moi GTR 2 qui vous permet de rester concentré jusqu'au moment où vous stoppez votre voiture. Et ensuite, eh bien, vous concentrez en elle-même plutôt que de mélanger pilotage et stratégie. D'où l'intérêt de conduire mieux, Maxou, s'il te plaît. D'où l'intérêt eh bien, de prendre le temps avant une course, eh bien, d'analyser votre course et de paramétrer vos arrêts. Par exemple, pendant eh bien, une course où la météo est changeante, eh bien, c'est difficile de prévoir. Donc, eh bien, il va falloir jouer un petit peu au poker. On s'en sort pas mal. Hein. Jusque-là, on n'a pas trop tapé les rails. On est quatrième. Bon, on a profité des balbutiements de l'IA, hein, il faut le dire, dans le droit très serré. Donc, vous voyez, par contre, il y a du placement de produit. Hein. Le jeu a 7 ans, mais il y a du placement de produit pour le jeu Race Room dans... Et les accessoires, faut savoir que Race Room, Simbi nous a sorti un nombre d'accessoires, notamment des manettes. Je vous insérerai une image de la manette Race Room DTM qui est absolument scandaleuse. C'est vraiment prend pour des vaches à lait, en plus c'est pourri. C'est pas parce que vous avez des gants et un casque que ça vous fait gagner des chronos, rien ne vaut un volant. Mais c'est assez drôle cette manette qui nous a été sortie à l'époque de la première édition du DTM Experience par Simbi, ça m'avait fait bien rigoler. Donc voilà, on va terminer cette course de. De formule BMW, donc vous voyez que c'est assez sympa. Le comportement est bien différent, ça glisse un petit peu malgré les assistances. Donc si vous voulez travailler, eh bien il faut s'y mettre puisque ce jeu demande du temps pour qu'on le maîtrise. Et voilà, de nouveau des points. Donc ce n'était pas la grosse pluie, c'était une pluie classique, mais ça suffit à vous faire un petit peu glisser. Donc je vais pas vous laisser le reste, ça suffit à vous faire glisser. Alors, on va encore faire une petite course, après on va tout doucement se laisser, puisque ce qu'on donne dans le rétro n'est plus vraiment intéressant, on va dire. Si ce n'est me voir faire des bêtises, et je sais que ça vous adorez me voir faire des bourdes, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre Valencia, ouais, c'est pas le circuit le plus excitant, Valencia. Bon, je vais pas vous faire la Nordschleife, parce que bon, quand même vous épargnez ça, quoi.
J'ai une petite idée. Je pense qu'on va se faire simplement. Alors je le cherche. Parce qu'il y a normalement le circuit de Pau qui doit être là. Et voilà, le circuit de Pau. Encore un circuit en ville. Vous aurez été gâté en circuit en ville. Mais le circuit de Pau est vraiment sympathique. Notamment la place du Général Foch qui est très très chaude à prendre. Alors qu'est-ce qu'on va se faire? Donc on a fait de la monoplace, on a fait du super tourisme. On n'a pas fait de GT, donc je vais peut-être vous faire du GT, du Grand Touring Club, voilà, avec de la Gilet Vertigo, de l'Aston Martin. Allez, on va faire un petit peu d'Aston Martin. Qu'est-ce qu'on va prendre? Les livrées sont assez flashy, hein, faut aimer. Voilà, on va prendre un petit peu de sobriété. Par contre, on va se mettre sur le sec et on va partir un petit peu plus haut sur la grille. Alors, je pense que les rues de Pau en GT, on va avoir du dégât. On va avoir du dégât. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas une erreur au niveau du nom des virages. J'espère que vous le verrez. Alors, sachez qu'en WTCC en 2007, il y a eu un énormissime accident à Pau qui a fait peut-être que, eh bien, on n'y est pas retourné. C'est que à ce moment-là, Frank Zenkschler, en tête pour la première fois d'une manche de WTCC, se fait percuter à la sortie des stands par le safety car. Voilà, c'était assez cocasse comme situation. On voit qu'au niveau des voitures, on a l'ancienne BMW, l'ancienne Z4, pas encore la nouvelle. La Seat Cupra que je ne trouve pas très jolie, il y a de la Viper, il y a tout ce qu'il faut. Donc on peut régler la position de notre siège, pardon. Donc voilà, vous pouvez vous faire bien plaisir. Et on est parti. Donc vous avez le choix aussi de faire des départs lancés avec la réglementation du WTCC, hein. Ça c'est pas précisé, mais c'est aussi faisable. Alors, on va se mettre en caméra embarquée pour ce circuit de Pau. Ah ben, j'ai pas freiné du tout avec cette Aston. Toucher un petit peu la Cupra. Gilet Vertigo sur la droite qui nous double. Alors, vous voyez qu'au niveau des livrets, on est corporate jusqu'au bout. Alors, on va essayer de freiner à l'intérieur. Alors, faut freiner très tôt. Au niveau de l'ambiance, donc je disais, on a un peu l'impression de rouler un dimanche matin et que personne n'a fait le déplacement jusqu'au circuit, ils sont tous devant Téléfoot. Mais au niveau de l'ambiance technique, donc au niveau des voitures, c'est vraiment réussi. Donc vous avez le sifflement des freins, vous avez le gravier, vous avez le choc contre le rail, vous avez vraiment. Alors qu'on va essayer d'éviter de rentrer dans le pare-boom directement. Vous avez vraiment une multitude de sons présents. Et ça, c'est vraiment. Un point important puisque l'ambiance chez Simbin ça a toujours été important. Donc je vous parlais de la place tout à l'heure qui est très compliquée, on vient de la passer. C'était plus compliqué dans mes souvenirs. Il nous place comme si on était une manche de support du WTCC en fait. Voilà, puisque les publicités sont les mêmes aux abords du circuit. Vous voyez Yokohama, WTCC, on a vu Eurosport tout à l'heure. Tout ça ne change pas. Monroe également qui était sponsor à l'époque. Et voilà, et on a terminé ce premier tour sur ce circuit de Pau. Sans trop de dégâts une fois de plus. Donc vous voyez, je vous fais un peu un panel de tout ce qui est dispo. Hein. C'est un peu une review aussi. Alors là, j'ai peut-être. Ouais, je m'en suis sorti, mais alors. Miraculeusement. Je pensais réellement que j'allais vous mettre dans le mur avec moi. Ouais, donc ça c'est vraiment un jeu où vous avez de la variété, vous avez du contenu, vous avez du modding, vous avez des mods qui sont absolument formidables. Franchement, allez-y quoi. Je vous le conseille vivement, surtout pour le prix, il est plus si cher que ça. Et ouais, voilà quoi. Si vous prenez le bundle Simbin, encore une bonne raison de cracher l'argent au nez de Steam pour recevoir des jeux de qualité. Parce que dans le bundle, je rappelle, donc vous avez GTR 1, GTR 2, GT Legend et donc toutes les extensions ouais, on a fini par toucher ce rail hein, finalement, de ce Ray 07. Oui, quand je vous disais que c'était compliqué ce parc, enfin cette place plutôt, j'ai pas trop menti. Alors pour doubler, ça reste compliqué. Vous voyez que l'IA est un petit peu curieuse. Vous voyez que c'est pas une ligne, hein. C'est pas du Gran Turismo. Elle va chercher à se déporter, à se montrer dans les rétros et à se montrer dangereuse face à l'adversaire. Et voilà, on termine la deuxième manche, le deuxième tour, pardon, de cette manche à Pau. Et voilà, avec la grande courbe à droite, je pense passer pied à fond en WTCC. Voilà, bah écoutez,
Je crois qu'on va se laisser là, hein, parce qu'il n'y a plus grand-chose à dire sur ce Ray 07, si ce n'est qu'il est excellent, qu'il a quelques petits défauts, c'est clair, mais bon, voilà, quoi, on n'a pas le jeu parfait, ça se saurait. Qu'est-ce qu'on fait? On en fait encore une petite. Allez, je suis d'humeur généreuse aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous. Et on va se faire un peu ce WTCC extrême, tiens, dont je vous parle depuis tout à l'heure, avec ces voitures qui sont vraiment impressionnantes. Et on va les faire deux tours à Zandvoort, comme ça ce sera réglé, et on se laissera là-dessus dans ce coup d'œil dans le rétro. Donc franchement, si vous tombez sur ces jeux-là en promo Steam ou si vous voulez le bundle, eh bien faites-vous plaisir, c'est agréable à l'oreille, c'est pas agréable aussi au niveau de l'affichage graphique, c'est vraiment super complet. Donc voilà, vous allez découvrir les versions extrêmes du WTCC qui étaient un petit délire parce que bon, on n'avait pas la licence DTM, hein, on pouvait pas avoir toutes les licences chez Simbin, donc eh bien, il fallait bien compenser. Et voilà, on est parti. Donc c'est vraiment super sympa cette idée de mélange GT Touring Car. Alors ça freine pas du tout par contre. J'ai dû freiner très tard là. Le problème c'est le manque de variété dans les skins de cette discipline. Vous avez peut-être 8-10 voitures. Et ça manque réellement d'une richesse au niveau du plateau. Alors, Andy, dis-moi oui, mais accélère. Comment freiner ici en pleine cour avec des voitures qui n'ont pas autant d'appui? C'est hallucinant. Donc voilà, un petit délire, mais vraiment, elles sont au feeling. Elles sont vachement, vachement intuitives. Et elles sont bien plus agressives, un petit peu. Je pense qu'on peut comparer ça à ce qu'on a aujourd'hui en TC1, en WTCC. C'est-à-dire des voitures agressives avec plus de puissance et plus d'appui. Et la comparaison est facile à faire, c'est vrai, mais elle est intéressante puisque voilà, on attend l'extension WTCC 2014 qui devrait arriver dans Race Room. En 2015, hein, comme d'habitude avec Race Room. On espère qu'ils seront plus réactifs pour cette nouvelle saison. Et on est allé toucher un peu le gravier dans la grande courbe. Et voilà le retour. Donc on est en tête. On va quand même en gagner une dans cette édition du coup d'œil dans le rétro. La courbe de Tarzan. Alors, courbe de Tarzan, pourquoi? Point culture, et bien parce que il y avait un fou qui habitait derrière le virage et qui se prenait pour Tarzan, et depuis ça a été baptisé la courbe de Tarzan. Vérifiez, je ne raconte pas de bêtises, c'est tout à fait vrai. Et franchement, j'aurais tellement adoré voir ces vrais WTCC, mais IRL quoi. Ça aurait tellement été sympa de voir ça, mais bon. On a le TC1 maintenant, voilà, il faut s'en contenter. On verra. Un plateau bien fourni cette année avec plus de Citroën, on verra. S'il y a des indépendants qui peuvent se défendre, puisque les indépendants ont toujours été un peu lésés dans ce genre de championnat. Même si je le dis, je vous l'ai déjà dit, mais je répète, l'époque Alfa Romeo BMW était géniale. SEAT débutait avec des Toledo, Chevrolet avec des Lacetti. Quoique Chevrolet n'était même pas encore là. Ford a tenté maintes et maintes fois de s'intégrer dans ce championnat. Quelconque modèle, Mondeo, Focus, ça n'a jamais fonctionné. Honda a essayé avec des Accord. Ça allait pas trop mal une année avec James Thompson, mais après, c'est vite parti en vrille et on a perdu Lada, et là depuis longtemps. Et Lada a fini par gagner une course cette année avec Robeuf. Donc c'était assez sympa de les voir gagner une course après tant d'années de labeur. Mais écoutez, on va terminer ce tour. Je vous remercie d'avoir regardé ce coup d'œil dans le rétro. Je conduis toujours aussi bien, hein, vous l'avez constaté. N'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et partagez également vos expériences sur à Race 07, ce que vous en avez pensé à l'époque. Et si vous le téléchargez, eh bien dites-moi si je vous ai conseillé judicieusement ou pas. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine pour un prochain coup d'œil dans le rétro, et ce sera peut-être du rallye cette fois-ci. Allez, salut!